Mais disons que c'était dans la salle, tout était tendu, il y avait vraiment une tension énorme. Allez, Mélissa, elle va nous le sortir normalement. Oh, la puissance, elle est en forme. Notre objectif, c'était de faire une finale à suspense. Dans ce bloc là qui est en train de se dérouler en ce moment, on a joué sur une troisième dimension en laissant pendre des volumes sous un toit, ce qui fait que ça pose aux grimpeurs un problème de cette troisième dimension à gérer. C'est pas extrêmement difficile à faire, par contre on a moyen de faire 10 ou 15 méthodes différentes. Donc là on joue sur l'intelligence, sur la gestuelle et sur le feeling des grimpeurs. Donc le premier bloc, on a vu l'imaginaire des grimpeurs. C'était un pas d'équilibre, mais il est aussi faisable en courant. Et c'est eux qui créent leurs problèmes, quoi. Ils ont un problème à résoudre et ils ont plein de solutions pour le faire. Et c'est ça qui est intéressant. Et on le voit beaucoup actuellement en Coupe du Monde. Ils imaginent des méthodes incroyables. Et là, c'est typiquement ce qui se passe actuellement. Ils savent tellement faire de choses qu'ils peuvent tout faire. En fait, c'est une espèce de une scène extérieure qu'il faut gérer et pas l'englober à l'intérieur et se protéger d'une certaine manière ou prendre que le positif. Et du coup, en fait, tous les paramètres-là sont quand même durs à gérer et j'ai craqué. C'est incroyable, pourtant, il y avait tout qui est... Oh non ! Allez, Toulouse, dans les sérieux, s'il vous plaît ! Elle a des talents, elle est puissante, qui rentre une plaisir ! Allez, croisez les doigts si vous êtes fan de Clem. C'est vrai que j'ai fait pas mal de choix pour bouger un peu les choses cette année et là c'est vrai que c'est ça paye quoi, donc c'est bien de voir ça et c'est un accomplissement et voilà, je suis super contente, je pouvais pas rêver mieux, en plus à Toulouse c'est juste parfait quoi. Mesdames et messieurs, la nouvelle championne de France, Clémentine Kaiser, qui prend la place dans les coupes du monde. La Chine, très émue, championne de France 2016. Je remercie Hervé Peyre qui m'a donné le goût de l'escalade. Je remercie Sébastien Necky qui m'a entraîné et qui a cru en moi pendant des années. Et je remercie Nico Januel pour le travail de cette année. Et après je remercie Thomas, je remercie Tito, ma famille, tous ceux qui m'ont soutenu. C'est énorme, j'adore. Moi, je vais pleurer aussi. Bon, on la laisse tranquille. Elle remercie tout le monde, elle est heureuse. On la retrouve sur les podiums. Clémentine Kaiser, championne de France 2016. Alors, les enjeux de ce bloc 4, simplement, pour les Français, entre Pascal et Alban, c'est la victoire. En cas de sortie de bloc. L'enjeu aussi, c'est que Shane McCall peut encore gagner s'il est seul à faire ce bloc. Donc comme c'est le bloc le plus dur, tout peut arriver. La difficulté du bloc, c'est extrêmement physique et à condition. Il y a un mouvement de guliche, qu'on appelle un mouvement sans les pieds pour aller au volume noir. Ensuite, il faut trouver un placement pour aller sur une réglette. Et à ce moment-là, il y a un pas extrêmement dur sur cette réglette pour remonter les pieds, puis un dernier jeté final. C'est donc un bloc qui combine des qualités en plat et en arqué, et extrêmement physique.
Bah, je suis super heureux parce que j'aurais jamais misé sur ça. Et bah, du coup, je ne sais pas quoi dire. Je suis un peu ému. Et voilà, je visais la finale. Après, ça s'est passé super bien. Donc, c'est génial. Quoi. Ça fait plaisir aussi de finir devant des grimpeurs qui sont normalement plus forts. Mais donc, ouais, c'est pour ça aussi qu'on fait de la compétition. C'est que tout est possible. Et puis, c'est, bah, encore une fois, c'est génial quand ça se déroule comme ça. Quoi. Ça c'est pas mal non plus, allez, oh, ça force, ça s'arrache, le public, oh, il va être dur à battre, gagneux, allez Jérémy, allez s'il vous plaît, allez le public, et malheureusement il n'aura pas trouvé la méthode, allez, mesdames et messieurs, le ralentissement levier, lui aussi, c'est à but.